Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul. J'ai beaucoup craqué ce mois-ci, mais genre quand je vous dis craqué, c'est que j'ai vraiment craqué. Mais en même temps j'ai une excuse, c'était mon anniversaire fin février, donc j'ai eu de l'argent, donc il fallait que je dépense. C'est normal, je crois que ça paraît très évident. Donc bah résultat, j'ai craqué. J'ai commandé sur Romouy pour mon anniversaire, j'ai eu 45€ et 50€. 45€ sur Romouy, 50€ sur Sephora. Non, j'ai pas du tout craqué. Bref, et du coup j'ai commandé sur Romouy. En fait je m'étais dit 45€ pour un site chinois que je pourrais tester pour vous et pour moi en même temps. Parce que quitte à tester du chinois, vous en parler. Et en même temps, si ça peut me... si je peux acheter plus de vêtements beaucoup moins cher, ça vaut le coup. Donc j'ai acheté premièrement une robe kaki. Manche pas trois quarts mais pas courte non plus en fait. Ça arrive à au coude. Elle est trop belle, c'est une coupe droite. J'avais une appréhension parce que les coupes droites ça fait bof bof sur moi. Et résultat ça va, ça... j'aime beaucoup. Je l'ai portée ce week-end pour un anniversaire. Et résultat elle est vraiment super belle. Elle est en coton, elle est super douce, super fluide. Je l'avais mis avec un gilet, elle tenait chaud, mais cet été, sans gilet, sans rien, elle sera super bien. Ensuite, j'avais commandé un short noir effet Levi's, donc c'est-à-dire avec les 4 boutons ici. Il est trop bien, je l'ai testé, je l'ai essayé. J'ai pas trop compris leur truc de faire une coupe asymétrique là. À cet endroit là et du coup bah je vais dans un moment le coudre pour que ça soit symétrique parce que je n'aime pas. Donc voilà, mais il taille bien, j'ai pris tout le temps en ma taille, c'est-à-dire du M, et ils taillent tous très bien. Bon, je l'ai pas encore mis pendant 24 heures, enfin pendant une journée parce que il fait pas encore assez chaud pour mettre un short. Mais franchement il est beau. Et puis sur le site il disait qu'il était court, il est pas spécialement court, il est court genre un short. J'ai commandé une veste, donc celle-là je l'ai déjà portée, hein, je la porte tous les jours en ce moment. C'est une veste boyfriend kaki. Effet bomber, mais c'est pas du tout la coupe d'un bomber, c'est la coupe boyfriend, avec une petite phrase anglaise ici. En fait elle est pas kaki, elle est verte hein, franchement. Quand je compare avec d'autres bombers kaki qu'on voit partout, style Bamboo Pimki, que je vous avais déjà présenté, il est vraiment vert en fait. Je l'ai pris en taille M, toujours, mais en taille unique. Taille unique, et la taille unique équivaut à du ML. Si vous faites du S ou du XS, franchement, prenez pas, parce qu'il vous sera trop grand. Mais parce que moi je flotte un peu dedans, hein. Enfin ça fait pas flotte, ça fait effet boyfriend. Avec un L ou un XL, ça vous ira parfaitement normal, mais moi ça fait un style boyfriend, donc mais ça me va quand même. Ensuite, accessoires, j'ai commandé des lunettes de soleil, parce que tout simplement je suis un poulet, et que j'ai perdu mes deux paires de lunettes de soleil, une dans le train, une à la piscine. Oui, vous pouvez m'applaudir, hein. Franchement, y'a pas de quoi. Donc j'ai commandé des lunettes effet vert miroir, comme ceci. Elles sont effet un peu Ray-Ban, hein. C'est la coupe esprit Ray-Ban. Elles sont vraiment super belles. Elles protègent bien parce que je n'ai pu les tester ce qu'elles. Et franchement elles sont trop belles. Elles sont pas que bleues en fait. Je m'attendais à avoir que des verres bleus et en fait elles sont bleues et vertes. Mais franchement ça me va, je les aime trop. Et le dernier accessoire, je le porte sur moi. C'est le plus gros coup de cœur de cette commande. C'est le collier à cou doré. Alors moi je m'étais dit bon ça va être un doré vraiment doré, je pourrais le mettre que cet été parce que sur une popale ça ira pas, et en fin de compte il est vraiment super beau, la qualité elle est vraiment mais vraiment trop bien, et que dire de plus, trop bien. Sur AliExpress j'ai fait, enfin j'ai pas fait de commande parce que sur AliExpress c'est comme eBay, c'est des vendeurs, donc si vous passez une commande entière ça, vous allez tout recevoir hein, séparément. Parce que c'est pas tout le temps les mêmes vendeurs. Il y a une partie, c'était des coques d'iPhone. Ça fera partie de ma vidéo What's on my phone. Et le reste va faire partie de cette vidéo. Donc j'avais commandé deux pinceaux. Donc le fameux, je vais me rapprocher, hein, discretos. Le premier pinceau, c'est la fameuse brosse à maquillage. Sur le site, elle était dite, enfin sur la photo, elle était, on aurait eu l'impression qu'elle était grosse et que c'était pour le fond de teint, et en fin de compte, pas du tout. Moi, je l'utilise que pour le baking et le contour.
Voilà. Et le deuxième pinceau, c'est une grosse découverte, j'adore. C'est un pinceau à fond de teint, donc c'est un Real Technique. Et franchement, c'est la grosse découverte. Avant, je mettais tout le temps avec mon petit blender, mais je suis du même avis qu'Auria pour sa vidéo Teint Parfait, ou sa vidéo Ce que les gens aiment, c'est que bah, ça vous fait des boutons encore plus. J'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté le petit blender, j'ai beaucoup moins de pinceaux. J'ai beaucoup moins de boutons. Parce que tout simplement, c'est que le pinceau, dès qu'il est sale, ça se voit. Parce que il y a un surplus de matière au centre. Ça fait comme des petites dreads en fait de pinceau. Et bah, ça, en gros, il vous dit faut que tu me laves quoi. Parce que là, c'est pas possible. Que le beauty blender, vous l'utilisez. Mais il sera toujours utilisable, même s'il est sale. Donc, c'est ça qui fait que vous le nettoyez beaucoup plus souvent. Et donc, beaucoup moins de bactéries, etc. Sinon, ça change pas la couvrance. Limite, j'ai plus de couvrance avec le pinceau. Je compte vous faire une vidéo teint ou maquillage de tous les jours avec tout la totale. Enfin, une nouvelle vidéo make-up parce que ça fait très longtemps que je vous en ai pas faite. Et je vous montrerai comment je l'utilise parce que je crois que je l'utilise pas comme tout le monde en fait. Donc, mais ça me va très bien. Donc je vous en parlerai plus dans une nouvelle vidéo. Toujours sur AliExpress, j'ai commandé des Kylie Lipsticks. Alors j'ai commandé le Candy K et le Dolce. Je vous les montre. Voilà. C'est des contrefaçons, c'est sur AliExpress. J'avais eu des bons retours sur les vidéos YouTube AliExpress où ils parlaient des Kylie. Donc je vais pas les swatcher là devant vous parce que je vais galérer à les enlever. Donc je vous ai fait des photos, je vous laisse aller voir sur mon Insta et je pense que tout de suite. Vous avez vu la photo des swatchs avec leur nom dessus. Donc sinon le conditionnement c'est comme les Kylie Lip Kit. Vous avez le crayon à lèvres là et le rouge à lèvres là. Je les laisse ranger dans leur boîte tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus pratique et que j'ai plus de place dans mon rangement à ranger. Voilà. Et donc, bah, que dire au plus, je vous ai montré la photo des swatchs. La qualité est vraiment super bien, ils tiennent vraiment ultra bien. Maintenant, on va passer à une de mes parties préférées. La partie Sephora. J'avais commandé sur Sephora. J'avais demandé de recevoir la boîte cadeau parce qu'elle me servirait de rangement. Elle se déballe comme ceci. Et quand on déballe, nous avons la totale. Tout ce que j'ai commandé. Bon, il n'y a pas 40 000 trucs. Hein. Mais il y a quand même pas mal. Hein. Donc, on va continuer dans les lèvres vu que je vous ai présenté les Kylie. J'ai commandé le numéro 23 de chez Sephora. C'est celui que je porte sur les lèvres, donc là vous allez pas bien voir je crois. C'est un marronné, j'en avais déjà deux. Donc j'avais le rouge, donc le 01, le flash. J'avais le 13 hein, que vous savez que j'ai racheté 40 000 fois. Et j'ai remarqué qu'il l'avait remis en vente. Wouhou ! Oui, ils l'ont remis en vente, je suis vraiment très 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 contente. Donc voilà, et quand je l'ai reçu, je me dis, ah merde, mais il ressemble au numéro 18, au numéro 13. Et en fin de compte, pas du tout. Vous voyez? Oui, vous voyez bien. Le 13 est beaucoup plus rose que le 23. Je n'arrive pas à m'exprimer. Donc, je suis vraiment trop contente. Les prix, c'est 10,95€, il me semble. Voilà, ensuite, si vous ne le savez pas, l'année prochaine, je vais en bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie. Donc, je vais devoir acheter une mallette de maquillage avec la totale pour les soins, pour le maquillage et pour la parfumerie. Et donc, il faudra avoir un minimum de make-up. C'est-à-dire des fonds de teint, des rouges à lèvres, des palettes pour les yeux pour faire des make-up de jour, de nuit, de fête, de cocktail, la totale, de défilé, c'est-à-dire des couleurs pop. Et en fin de compte, j'ai remarqué que je n'avais pas beaucoup de palettes. Je n'ai que ma liquide basique 2 et la palette Sephora. Donc, fallait que j'investisse. Donc, j'ai commandé la Eye Divine de chez Sleek, la
la, c'est écrit où? La 430 A New Day. Donc il y a la A New Light et là c'est la A New Day. Elle se présente comme ceci, elle rentre dans une loi, elle est trop belle, sobre, noire, avec écrit Slick en brillant. Je me mets comme ça pour que vous voyez. Et voilà. Donc là, il y a le petit film avec les couleurs. Je les garde parce qu'il faut que j'attende de faire des photos. Et voilà la palette. Elle est vraiment trop belle. Oui, je me mets dans l'ombre pour que vous voyez les bonnes couleurs. Parce que sinon, vous voyez trop clair. Donc, il y a des fards qui sont crémeux comme celui-ci qui est crémeux. Franchement, là, il y a un taupe qui est trop beau. Il y a un gold qui est là. Là, c'est un jaune gold. Enfin, un jaune doré. Là, c'est un brun. Là, il y a un chair. Là, il y a un blanc irisé. Enfin, franchement, c'est la palette qu'il faut avoir. C'est un peu dans le même style que la Naked Basic. Mais franchement, écoute, mon cher, il y a plus de fard dedans. C'est une des palettes à avoir dans son rejour au maquillage dans les premières. Je n'arrive plus à parler. J'ai plus de voix. Elle coûte 12,50€. Il y a 12 choix de palettes. Il y a des plus extravagantes, c'est-à-dire avec des couleurs peps, et des plus basiques comme celle-ci. Donc franchement, plutôt pressée de me maquiller avec. C'est-à-dire ce week-end, parce que là en cours, j'ai pas le temps. Et dernier achat et dernier objet de cette vidéo, c'est la Cocoa Blend. Vous voyez strictement rien. La Cocoa Blend de chez Zoeva. Ça, c'était le petit investissement que j'attendais depuis de nombreux mois, mais elle était toujours en rupture de stock. Donc, petit emballage comme d'hab chez Zoeva. Et quand nous l'ouvrons, voilà la belle. La belle. Donc, il y a toujours le petit plastique. Hein. Et celle-là, c'est des couleurs plus voyantes, mais toujours dans les couleurs sobres. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous plaît, que je revienne en force, parce que moi je suis trop contente de revenir pour vous. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Ciao !